Alors, Arte est une chaîne de télévision culturelle européenne. Le cœur de notre activité est l'Europe, mais aussi le reste du monde. Nous soutenons et nous diffusons la création. Ça, c'est notre vocation principale. Le monde arabe est très important pour nous parce que nous sommes diffusés dans le monde arabe, donc les spectateurs du monde arabe nous voient. Nous soutenons les réalisateurs du monde arabe. Nous avons fait beaucoup de coproductions avec des réalisateurs. Nous avons beaucoup travaillé avec des réalisateurs libanais, par exemple, avec Hassan Salab, avec Nadine Labaki, avec plein d'autres. Et le festival et toute l'activité de Beyrouth BC est un lieu important d'exposition du cinéma arabe. Donc c'est une occasion importante pour Arte pour montrer que nous soutenons ce cinéma et que nous soutenons les manifestations qui soutiennent elles-mêmes le cinéma. Donc il ne faut pas seulement être à la télévision, il faut être aussi dans les différents pays, dans les différentes salles, être présent partout. Et qu'est-ce que tu penses du festival en général ? J'adore le festival, je suis une énorme fan du festival. J'étais au festival pour la première fois en 2006. Ça a été une édition très très émouvante parce que c'était juste après la guerre. C'était vraiment une grande émotion pour moi et j'ai toujours voulu revenir. Il y a une très belle programmation, j'y retrouve une équipe formidable, j'y retrouve des réalisateurs que j'aime beaucoup et ça me fait découvrir justement le cinéma du monde arabe. Voilà. Merci Anna-Maria, merci à Arte.